dans cette vidéo de Crusader Kings 3 avec la reine Alfridre, Elodateur de Lapland, reine de France, alors pas encore, mais ça viendra, accompagnée du chef religieux à sa troupe, le roi incontesté du royaume de Suède, le Fylkeomger Brigittason de Fylkira à sa troupe. Bonjour Favali, comment vas-tu? Bonjour à vous. Quelle énergie. Dans ta dernière vidéo, comment dire, en France, ils sont pas convertis du coup. Il y a des petits problèmes de révolte chez toi. Alors n'inquiète pas, on sera là pour toi. Pas encore, ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Mais non, il n'y aura aucun problème, attends. Non, les Français sont des gens sympas, civilisés, c'est des gens qui râlent jamais. Non, on arrête de les préjuger. La duchesse de Champagne, Sibylle, 2 ans, mm-hmm. elle est à sa trou. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. 2 ans, ouais. Je suis pas sûr qu'elle comprend la religion. Hein. Mais si. Oh là là. Il n'y a pas d'âge pour comprendre à quel point. Les vertus. Les vertus de la guerre. C'est ça, exactement. Tu vois, finalement, c'est facile à comprendre. Tu veux un jouet et un autre enfant là, tu fais quoi? Tu lui fais la guerre. Waouh. C'est tellement bien expliqué. Ben oui. C'est comme ça qu'on fait pour éduquer nos gosses. Tous les jours. Et voilà, le travail. Et on tue ce duc de Bourgogne qui ne sert absolument à rien. D'ailleurs, c'est marrant, hein, mais le royaume de Bourgogne, voilà quoi. Il est petit, voilà. Hein. J'ai pas envie de faire en sorte que ça soit honteux pour lui, mais boule à nul, voilà. Ça s'étend à un cépage pour l'alcool, pour le vin. Les vignes s'étendent pas plus loin. Quoi. En fait, j'ai pas compris pourquoi c'est en Suisse. Je ne sais pas non plus, mais écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ce sera le titre de la vidéo. Voilà, donc on va prendre quelque chose pour ça. Et Knut a péri, mais non. Arrêtez de périr, les gens. Les Français sont des bonnes personnes, moi. Chancelier. Et toi, Favali, aimes-tu les Français? Ah, ils sont très sympas. Ah, il paraît. Hein. De bons amis. Alors, il faut que j'influence des gens. Hein. Je suis déjà en train d'essayer d'influencer quelqu'un, ok. Ouais, bien, voilà, mais j'ai personne qui se révolte chez moi. Il n'y a personne qui veut ma mort. Par contre, je dois monter le niveau de magnificence et c'est déjà en cours, ok, parfait. Trop facile. Je ne peux pas construire Notre-Dame, c'est terrible cette histoire. Quoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas catholique. C'est nul. T'aurais dû leur laisser construire pour après la prendre. Oui, bien sûr. Bien sûr que je vais leur laisser Paris qui est grand, qui est superbement bien musclé pour ça. Bon, un nouvel empire va naître dans 3, 2, 1. Ah oui? Un pays forgé. La Suède règne en maître maintenant sur des centaines de terres et est devenu un véritable empire. Nous n'attendons plus que toi, Kyo, pour rejoindre le Valhalla des empereurs de ce monde. GG. Ouais, regarde, quand on met empire, regarde, tu vois à quoi ça ressemble. Ouais, ça a été cassé du coup, la Scandinavie là. C'est. Mais non, c'est-à-dire que tu peux la créer théoriquement. Il y a moins de territoire. Il y a moins de territoire. Maintenant qu'il y a moins de territoire de jure, l'empire de Scandinavie peut être créé. Où sont mes hommes? Mince. Merci. Où sont mes hommes, Favali? Ah, mais il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes.
Il n'y a plus d'âme, c'est fini. Alors, je deviens poète ou je deviens quelqu'un qui écrit dans son journal intime? Bonne Bon, allez, question. la poésie, c'est bien. Ah, la poésie. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, dites bonjour à l'impératrice de Scandinavie. Waouh! Alors. Tiens, il faudrait que tu changes la couleur, c'est n'importe quoi, ça en bleu, il faut rester. Alors, on se met ensemble, quoi. Est-ce que en France, j'adore ça. Ah, ça... Voilà. Quand ma petite Scandinave. Et ben voilà, on est parfait comme ça. On est bien. Et pour fêter tout, je vais faire un grand blow. Je vais faire un gros Et je hublot. vais inviter tout le monde à 750 balles. J'ai vu. Ça coûte Oui. cher. Oui. J'invite tout le monde à sacrifier les Français. Hein. T'inquiète. Nous aussi. Oh, il se passe rien. Oh, c'est triste. Sacrifice. Grand et petit sacrifice. Ah, roi de France, ton territoire, il est à moi, on est bien d'accord. Hein, mais t'es en guerre, c'est ça? Oh, le Pouchou, il est en guerre. Oh non. Oh non. Ah, de toute façon, j'ai plus l'argent. Tu es prêt, Kyo? Prêt pour quoi? Prêt pour une guerre? Une guerre? On va assujettir l'Angleterre? Oh là 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 là. Et après, on ira prendre la papauté, ça te dit? Et Ah après, Byzance, et après, Bagdad, ça te dit? c'est parti. Il Parfait. faut faire goûter du sang humain aux dieux. Non, ah, mais pourquoi tu me donnes plein d'argent comme ça, Seigneur? C'est le talent. C'est la YouTube monnaie plutôt, ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est largement bien gagné, quoi. C'est ça. Au fait, pourquoi mon gars il ne convertit pas? Voilà, converti. Tiens, Kyo. La guerre. Let's go. Non, je peux pas convertir les catholiques, je tolère la foi catholique, merde. Mais qu'est-ce que tu tolères quoi? Mais pourquoi en fait? Je tolère la foi catholique, Fabadi, ce sont nos amis. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est un event qui apparaît lorsque tu tiens une cour et j'ai mal choisi mon événement. Voilà. Tolères les infidèles? Les catholiques! Les catholiques sont nos amis, Favali. Bon, bah, ils sont nos amis, hein, tant pis. Hein. Voilà. Je pense que après cette guerre, je vais devoir pacifier et convertir le royaume des infidèles chez Kyo, parce que là, c'est n'importe quoi. Mais il y a aucun infidèle chez moi. Bien sûr. La Tolérer, foi, c'est mal. tolérer. C'est tout. Ça veut pas dire qu'elle est acceptée. Kyo, ton armée? Ben, mon armée, elle va en Angleterre. Non, mais c'est pas l'Angleterre qu'il faut défendre, c'est la Germanie. Mais non, mais t'as attaqué l'Angleterre, c'est pour. Oui, mais il y a des bourgs en Germanie, si tu regardes. Bah ben, oui, mais ça, c'est. Calme-toi. C'est ta faute, non? Yo, l'infidèle sera puni au bûcher. T'as pas envie de défendre tes terres, Favali? Bah si, c'est ça que je fais, je défends mes terres avant d'attaquer. Alors, vas-y. Ouais, c'est un petit peu nombreux, tu vois. Mais non, c'est toi qui es nombreux. Voilà. Non, je vais encore perdre plein de thunes à cause de toi. 14 000 soldats à lever, waouh. Bah oui, je suis obligé, vu que t'as pas envie de mener une vraie guerre Vraie guerre. d'attaque. Genre, je pensais que t'étais plus viking que ça, tu vois, en mode je tape l'ennemi et puis tant pis pour ce qu'il y a derrière moi, tu vois. Même si ce derrière toi, c'est ta femme, tes enfants, tes gosses, ton pays, Ton pays, voilà. ta religion. Eh oui. Waouh, qu'est-ce que tu fais? Tu fonces dans l'armée ennemie là? Kyo! Bah, Non!
Je suis pas là. À un moment, ça valide. Nos racines vikings, elles nous ont appris quoi? Il faut mieux mourir. Kiyo. Attaque, nous vaincrons. La chance. Mon Dieu. Oui. Plus jamais ça, quand même. Possible. Ah mais au moins, ça me fait gagner un peu d'argent. Enfin, ça me fait perdre un peu d'argent. Un peu d'argent, ouais. C'est bien, t'as perdu de l'argent. Je suis content. Enfin non, je veux dire que ça me fait gagner de l'argent. Ouais, ouais, ça te fait perdre de l'argent. Perdre des hommes. Bah, moins j'ai d'hommes à payer, plus moins je paye pour mes hommes. Bien sûr. C'est un cercle vertueux. Vertueux. La guerre tue mes hommes, et du coup, me permettent de gagner plus d'argent. Pourquoi tu gagnes plus d'argent en tuant tes hommes? Ah oui, parce que tu leur payes pas. Je paye pas. D'accord. C'est affreux, mais... Finalement, être viking, c'est un petit peu aussi être un capitaliste, tu vois. Je vois. Je comprends. Exactement. Ils sont aussi vikings, devant nous. Mais bon. D'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de croisade, c'est ça qui est bizarre, quoi. Ah bah, tu m'étonnes à quel point on a dégommé les cathos. Et puis, ils ont Jérusalem. Ils ont réussi à prendre Jérusalem aussi, donc. Oui, c'est pour se marier, ils l'ont. On l'aura laissé parce qu'on se dit, bon, allez, on laisse un petit bout de terrain. Bah ouais, quand même. On n'est pas à ce point-là, quoi. Je vais réparer tous mes artefacts parce que j'ai pas le temps de voir quel artefact j'ai ou pas de bien intéressant à réparer. Donc je répare tout et tant pis pour mon argent. Je suis sûr que j'ai des meilleurs artefacts que ce que je répare, mais bon. Voilà, chandelier, il est grand, il donne rien, c'est pas grave. Et le jouet en terre cuite, je répare aussi. Voilà. Parfait. Eh ben, qui l'aurait cru qu'on devienne tous les deux des empereurs? Eh oui. Oh non! Il se passe quelque chose avec la duchesse de Champagne. Pourquoi? On se révolte contre la duchesse de Champagne. Qui l'aurait cru? Pourtant, elle a 5 ans. Elle a 5 ans, mais elle comprend. Elle comprend quelque chose. À 2 ans, elle comprenait pas trop, mais là, à 5 ans, là, elle comprend. Elle comprend qu'elle est dans la panade, quoi. C'est ça. Kyo, voilà. T'as 10 000 hommes, là. Il y a une armée ennemie en déroute. Mais non, ils sont pas en déroute. Il y a 10 000 hommes. À l'attaque! À l'attaque! Perdez votre vie, soldat! Ils partent, s'enfuient. Oui, Kyo, t'es à côté d'eux. Mais tu crois que je regarde cette partie-là de la bataille? Non, moi, je regarde les provinces que j'assiège. D'accord. Bon, on va en Angleterre. Ah, tiens, je suis déjà en Angleterre. Qu'est-ce que tu fais, Favali? Pourquoi tu n'es pas en Angleterre? Parce que... C'est à moi que tu gagnes la guerre, Favali. Ouais, c'est ça. Alors regarde, on est à 38% de siège grâce à moi. Bien sûr. Évidemment. On a 12 000 hommes d'ordre sacré, c'est ça que j'adore. Enfin, attention, je crois que tes hommes meurent de faim. Mais ils vont bien manger à la cantine quand ils vont arriver en Angleterre, t'as compris. Bah oui, mais tu sais, des gens qui ont faim dans un navire, ça fait pas bon ménage. Hein. C'est des vikings. Ils savent comment se nourrir, t'en fais pas. Ah oui, en pleine mer. Ils connaissent la pêche. Il n'y a pas d'ours à chasser. Bah si, ils chassent. Un viking, ça sait chasser. Ça pêche. Ça part à la pêche, quoi. Non. Si. Non. Non. Et là, tu auras un abonné qui est en commentaire. Les vikings pêchaient souvent dans les différents lacs, rivières. Voilà, avec leur bateau à moteur. Leur bateau à moteur. Et leur soucoupe volante. Mais oui. Depuis le début, on a compris le mystère des vikings depuis le début. Tout est clair maintenant. Ah oui. Évidemment. Tiens, je crois qu'on a fini la guerre. Oh non, mais je voulais patienter. Ah bah c'est bon, ils sont morts. Non mais je voulais juste prendre Londres pour m'amuser. Oh, t'es pas drôle, Kyo. T'aurais pu quand même laisser. Ouais, t'étais pas obligé de... Oh purée, la Suède. Oh là 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 là. Et bon. Quoi?
Je vois pas de quoi tu C'est parles. incroyable. Beau pays. Ah oui, un beau bébé. Hein. Il Ouais, est bien ouais. mangé à la cantine. Ah, là, c'est clair. Ah tiens, Parce que d'ailleurs, on quand a t'as des bébés, tu les mets à ta cantine. des bébés déménagent à la cantine. Tiens, Ouais, d'ailleurs, la voilà. Bretagne, elle va être prise aussi. Quoi? Mais pourquoi? Sais pas. Mais c'est la Bretagne. Tu vas pas faire ça, quand même. Et si? Oh non, mon mari est mort! Bah, visiblement, ça m'en touche une sans me faire bizarre à l'autre. Hein. Faire bizarre à l'autre. C'était pas pour c'était pas dire autre chose. Allez, les impôts, l'argent, le chocolat. Le beurre breton, Les demi-cèpe. épinards. Oh non, bah écoute, voilà, on va faire des chants pour le dieu des chants. Les champs. Bah oui, de toute façon, c'est les derniers épisodes, c'est fini. Ouais. Fini, Favali. Et ça, c'est la Suède, ça. Hein. L'empereur de Suède, il est là aussi. Hein. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai aucune terre, c'est un truc de fou. Ah. Ouais, c'est pas grave, je vais aller boire pour oublier. Tiens, tu veux pas attaquer le pape? On a toujours fait ça, on a toujours attaqué le pape. Et pour une fois, on pourrait même attaquer Byzance, ça te dit. Hein. Oui, ouais, j'avais envie hein, de pape. Veux pas récupérer Rome? Oh, récupérer, non, mais taper des Romains, Taper, évidemment. taper, taper. Taper. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Papa, papa. Parfait. Let's go. Papa. Les catholiques sont nos alliés à l'attaque. Finalement, c'est parce que j'ai envie de protéger le pape que je vais conquérir ces territoires. Voilà, c'est pour le protéger de lui-même, voilà. Il Exactement. ne sait pas encore. Je mène même la charge contre les armées du pape. Allez, c'est parti. Direction Rome! Je suis viking ou je suis pas viking? Tu es... D'ailleurs, Favali, tu peux venir rejoindre ma guerre. Ah Hein. bon, mais non, mais je voulais m'amuser moi aussi. Mais autre part? Il faut unifier les terres vikings. Mais le pape, Favali. Mais unifier les terres vikings avant. Non, le pape. Regarde, mais c'est déjà trop tard. Le pape est là. Sous nos yeux ébahis. C'est trop tard, Favali, l'unification. Ah, ils sont 19 000, les enfoirés. Bah, je vais aller de ce côté-là. Ça va, on a un ordre sacré, t'en fais pas. Non, mais j'ai déjà recruté mon ordre sacré. T'en fais pas. Mais t'en On fais va dire ça, pas. on va dire ça. C'est pas grave, j'ai 30 en avantage. Ces catholiques ont peur de moi. Là, je peux même pas voir ta guerre. Ah, c'est toi qui me disais, viens, on attaque les Mais je Romains peux pas et. parler de ta guerre, c'est ça qui... On n'est plus alliés. Mais si on est alliés, c'est On toi qui n'est plus vas alliés. venir. Menteur! Vraiment quoi? Bah, je sais pas, trouve un moyen. T'es grand ou t'es pas grand? Comment on va faire? Bon bah je Là dois là là. faire ce que j'ai toujours voulu faire à ce sujet de Tirki. Je savais bien que t'allais montrer tes vraies couleurs. Non mais t'inquiète, c'est bon. On peut faire Ah, une alliance. bien. Ah bah voilà, enfin. Eh ben dis donc. Ça, par contre, on commence à devenir égyptien dans notre famille, hein, c'est un truc de fou. Égyptien. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Égyptien, ouais, tout à fait.
Mais pourquoi je rejoindrais ta guerre alors que il faudrait que tu rejoignes la mienne? Et alors, comment je fais pour rejoindre la tienne? Bah, comme ça, non? Attends, comme ça? Attends. Ah! D'accord, c'est Tu bon. participes déjà à cette guerre? Ah tiens, c'est bizarre ça. Non, mais c'est bon, je suis dans ta guerre, t'en fais pas. Ah bon? Ah ouais, eh ben dis donc, t'en as mis du temps. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais t'en fais pas, hein. C'est toi qui disais que tu voulais tuer tous les catholiques du monde, et quand j'attaque les catholiques, d'un coup il n'y a plus personne, hein. C'est pas très viking. Hein. Non, mais t'en fais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Généralement, quand quelqu'un te dit t'en fais pas, c'est qu'il faut s'en faire. T'en fais pas. Ouais, c'est ça, ouais. On y croit dur comme fer. Hein. On y croit comme à la terre, on y croit comme au soleil. T'en fais pas. Heureusement que j'ai mes vrais alliés qui arrivent. Ah, t'en fais pas. Là 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 là. On peut compter sur personne ici. Mais c'est rien, tu le massacres, regarde. Bon, il y a quand même 24 000 hommes, ouais, mais tu le massacres, Kyo, tu le massacres. Ouais, c'est ça, ouais. T'en fais pas. On leur dira, on leur dira. En train de le massacrer, regarde. Voilà. Bon, il y a un petit peu d'attrition, ok, mais. Il a à peine 30 000 hommes, là. T'en fais pas. Ouais. On y croit, hein. Non, moi j'y crois pas, moi, Favel. C'est fini. La mort nous attend. Oh, mince. Non, non, qu'est-ce que je fais? Tu veux Mais la en tout cas, je prendre? vais pas réussir à l'assujettir de cette manière, non. Ah, tu veux la suivre, tire. Non, je pourrais pas l'assujettir. C'est ce que je viens de dire, Feven. Ah, tu veux la suivre, tire. Mon Dieu. Il le fait exprès. Oui, pour ton bien. C'est bon, la guerre est finie, on arrive. Ah bah dis donc. Oui, effectivement, la guerre est finie de notre côté, hein. Bah quoi? Toi, ça avance tranquillement, regarde la Suède. C'est bon, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de... Ah si, il reste deux territoires indépendants là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner, ça soutient mon contenu. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.